De nos jours, il est très difficile de ne pas manger de sucre. Des plats préparés à nos gâteaux d'anniversaire, le sucre occupe une place prépondérante dans notre quotidien. Bien qu'il améliore les saveurs, le sucre est aussi une grande source de fatigue pour le corps, en plus de favoriser une prise de poids insidieuse. Découvrons ensemble la liste des aliments qui contiennent une dose considérable de sucre caché. Bienvenue dans la Minute Vitalité de Je Clique Naturel, le guide en ligne de la vité au naturel. Je suis Laurence, votre coach Nutrition Vitalité. Avant de vous révéler les 11 aliments étonnants qui contiennent des sucres cachés, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton en bas à droite de cet écran. Ainsi, vous ne louperez plus aucune de nos vidéos. Allons sans plus tarder maintenant découvrir la liste des 11 aliments étonnants qui contiennent des sucres cachés. On n'y pense pas forcément, mais la première chose, ce sont les légumes en conserve, en boîte de conserve. Ils contiennent une grande quantité de sucre dans le but d'améliorer leur saveur, leur texture ou de prolonger tout simplement leur conservation. Deuxième produit étonnant, ce sont les charcuteries industrielles, même bio. Elles contiennent souvent du sucre afin de créer certains arômes, d'accélérer la fermentation et d'enrayer l'oxydation de la viande. Le troisième produit étonnant, c'est le pain non bio et surtout le pain blanc contiennent le plus de sucre ajouté. Optez donc plutôt pour un pain complet ou semi-complet, bio de préférence. Quatrième produit étonnant, ce sont les sushis. Ils ne sont pas si sains donc, hein, pour préparer le riz et leur donner sa texture collante, une quantité considérable de sucre est utilisée. Faites les maisons. Le cinquième produit étonnant, ce sont les soupes industrielles déshydratées, ou non d'ailleurs, qui contiennent du sucre caché. Faites vos soupes vous-même avec des légumes frais, c'est rapide à faire, super facile, et vous pouvez les congeler en petites portions pour les décongeler au fur et à mesure de votre consommation. Le sixième produit auquel il faut faire bien attention, ce sont les sauces et les sauces vinaigrettes des supermarchés qui regorgent de sucre et autres substances peu recommandables. Certaines marques conseillent d'ailleurs de ne pas consommer leurs produits plus d'une fois par semaine, imaginez-vous un peu. Optez donc pour un filet d'huile d'olive et un peu de citron pour égayer vos salades tout simplement. Alors le septième produit, c'est plutôt une catégorie de produits, ce sont les produits light, pas si light. Que cela, pour compenser l'allègement en matière grasse, le fabricant rajoute des tonnes de sucre et oublie de nous le dire. C'est donc du light en matière grasse, mais pas en sucre ni en additif. Le huitième produit, ce sont les smoothies. Les smoothies du commerce sont très riches en fructose et en sucre ajouté. Et comme les fibres sont pulvérisées, elles ne tamponnent plus la montée du taux de sucre dans le sang et vous expérimentez un pic glycémique. Le neuvième produit, c'est la famille des fruits secs. Ces fruits secs peuvent contenir plus de sucre que les bonbons. En plus de leur teneur naturelle en fructose, ils sont parfois enduits d'une couche de sucre afin de les rendre brillants. Ils contiennent aussi moins de fibres que leur version fraîche. Les fruits secs contiennent également des sulfites pour conserver leur aspect original. Enfin bref, la couleur, vous savez, les petits abricots bien orange secs des supermarchés, voilà, c'est pas tout à fait naturel. En bio, ils seront tout à fait marrons. Il est toujours préférable de manger des fruits frais. Et si vous souhaitez des fruits secs, alors au maximum, une petite poignée par jour est bio donc. Alors, le dixième produit, ce sont les céréales du petit déjeuner. Les paquets de céréales du petit déjeuner sont remplis de sucre caché. Et malheureusement, les plus sucrées sont celles destinées aux enfants. Et le onzième produit, ce sont les barres de céréales. Et oui, vos barres de céréales préférées sont elles aussi truffées de sucre caché. Elles contiennent des fruits secs et souvent sont enrobées de sirop de glucose pour les rendre plus brillantes. Besoin d'un petit coup de pouce, un petit creux, optez simplement pour un fruit frais et une petite poignée d'oléagineux, des noix, des amandes. Voilà, c'était les 11 produits étonnants qui contiennent des sucres cachés. Surtout, ne culpabilisez pas en mangeant du sucre, il n'y a pas de quoi culpabiliser. Le tout est d'apprendre à bien consommer le sucre, de le faire en toute conscience, que ce soit votre choix et non que vous ne soupçonniez pas que vous en mangez. N'oubliez pas que les médicaments et certains compléments alimentaires contiennent aussi du sucre. Il est important de bien le détecter en lisant les étiquettes.
Et avant de se quitter, faites le point gratuitement sur votre niveau d'énergie vitale en 10 questions et recevez vos résultats directement dans votre boîte mail. Cliquez sur le lien disponible sous cette vidéo et moi je vous retrouve tout prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt, naturellement.